Chaque famille africaine a un fondement sur lequel il bâtit l'avenir de sa lignée, un socle pour assurer et protéger ses descendants, une fondation basée pour la plupart sur des éléments de la nature, tels les forêts, les rivières, les statues et parfois certains animaux. Elle leur voue une adoration qu'elle entretient par des sacrifices, des immolations d'animaux, des actions pérennes. Par ces adorations, nombreuses sont les familles qui croient protéger les siens, mais elles ne savent pas qu'elles livrent ainsi toute leur descendance aux esprits démoniaques, aux forces de la nature. Alors, pour mettre fin à ces actes qui endeuillent de milliers de nos familles africaines, le Seigneur a consacré des lieux, à l'instar de la Reine de la Liberté, du ministère catholique, du combat spirituel, avec un serviteur inutile, le berger régional d'Abidjan, le frère Achiapakomari, le dispensateur des mystères du Christ. Dans ce lieu, les gens sont guéris, délivrés, restaurés. Bien-aimés, nous allons ensemble vivre l'histoire de Mademoiselle Anango Marie-Thérèse, une sœur qui a souffert d'un lien d'addiction de famille. Je m'appelle Anango Marie-Thérèse. Bon, au fait, maman nous avait, elle faisait une adoration où là-bas, c'est cola, on prend pour faire les adorations. En effet, la mère de Marie-Thérèse vouait un culte d'adoration qui avait comme élément principal la noix de cola, un fruit tiré du colatier que l'on trouve principalement dans les forêts africaines. La mère de Marie-Thérèse avait initié tous ses enfants à ce culte. Et au fil des années, un fait étrange se produisit. La mère de Marie-Thérèse était devenue accro à la noix de cola à tel point qu'elle en consommait de façon exagérée. Et même en abusait. Cet esprit auquel elle vouait un culte pour sa protection avait fini par se retourner contre elle. Bon, après, dans les années à venir, j'ai vu que maman mangeait cola à chaque fois. Elle mangeait, elle peut passer toute la journée à manger cola, elle ne mange pas autre chose d'autre. Un puissant lien d'addiction la menottait, la poussait à consommer de façon exagérée de la cola. Et un jour, le pire arriva. Après, elle est tombée malade. Donc, maladie, on s'est promené partout. Arrivé au CHU, ils ont détecté que c'est hépatite et elle est décédée. Ça fait 7 ans de cela. La mère de Marie-Thérèse était décédée. Mais ce lien d'addiction démoniaque demeurait. Il rôdait tel un loup cherchant sa proie et finit par entraîner Marie-Thérèse dans le fin fond des ténèbres. Du jour au lendemain, la jeune dame se mit aussi à consommer de la noix de cola. Elle ne pouvait plus s'en contenir ni résister. Une attraction démoniaque l'attirait constamment vers ce fruit. Maintenant, ça fait 3 ans. Moi-même, j'ai remarqué que les mêmes choses sont en train de commencer. Parce qu'elle nous a initiés tous. Et si j'ai envie de manger cola là, si elle n'est pas trouvée là, ça me rend nerveuse et puis aussi agressive. Ça veut dire, moi-même, je suis là, je me m'enfonce sur moi. Des fois, quand ils vont marcher comme ça là, je peux payer cola là beaucoup comme ça et puis ils mènent à la maison. Je mange. Ayant constaté les mêmes symptômes déjà vus chez sa belle-mère, l'époux de Marie-Thérèse attira son attention. La situation était devenue critique pour la jeune femme, car si rien n'était fait rapidement, elle connaîtrait le même sort que sa mère. Un jour, mon mari m'a dit, mais ce que tu fais là, on dirait ces mêmes choses là qui arrivaient à ta maman, et ces mêmes choses là qui attendent de reprendre. J'ai dit, ah, dans ces 2 jours-là, c'est ce qu'il est en train de remarquer. Parce que j'ai l'asthme. Des fois, ça fait juste quand il y a une crise d'asthme là. Si elle ne mange pas, là, je ne suis pas à l'aise. On dirait que c'est quelque chose qui me pousse à ça. Alors, guidée par le Saint-Esprit, dont la miséricorde n'a jamais fait défaut, Marie-Thérèse et son époux se rendirent à la prière du ministère catholique du combat spirituel, l'oasis de délivrance du Seigneur, avec pour principal serviteur le berger régional d'Abidjan, le frère Achiapakomari, le Mysteriorum Christi Dispensator, le dispensateur des mystères du Christ. Et dans ce lieu, durant un grand temps de prière qui avait mis le ministère des anges en action, un vent de guérison souffla,
Marie-Thérèse saisit ce vent de guérison et jamais ne le lâcha. J'ai commencé à prier. J'ai dit vraiment, Seigneur, si ce lien d'esprit de cola là ne m'a pas encore quitté, que c'est ça qui continue à me pousser à manger cola, pour venir me faire même chose comme maman, je veux que tu m'en délivres aujourd'hui là. Je ne vais plus retourner et puis commencer à manger cola aussi. Et quand j'ai fini de prier, on a fini, je suis partie à la maison. Aujourd'hui, Marie-Thérèse est totalement libérée de cette emprise, de cette addiction démoniaque. C'est fini. Aujourd'hui là, même si je vois cola là, même si c'est joli comment haut, ça ne me dit plus rien. Tu es délivré. Je suis délivré. Donc je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, peu importe ce que tu vis, peu importe les difficultés que tu traverses, car le miracle est encore possible avec le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il existe sur terre des hommes choisis par Jésus-Christ de Nazareth pour opérer dans le surnaturel, guérir et délivrer ses enfants, à l'instar du berger régional d'Abidjan, le berger Achiabakom Marie, le dispensateur des mystères du Christ.